Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties de notre série sur les couples tragiques de l'histoire, à l'occasion du mois de la Saint-Valentin, je vous raconte le destin de François II et de son épouse Marie Stuart. Si tout le monde connaît les conflits de la Rome antique souveraine écossaise avec sa redoutable cousine Élisabeth Ier d'Angleterre, on oublie souvent que Marie, couronnée reine d'Écosse à 9 mois, a été élevée à la cour d'Henri II et de Catherine de Médicis, où elle a épousé le dauphin François avant de régner sur le pays à la mort de son beau-père, aux côtés d'un roi adolescent, elle-même n'ayant alors que 17 ans. Au début de l'année 1558, le roi Henri II s'inquiète du tour inquiétant que prennent les divisions des Français entre catholiques partisans des Guises et protestants partisans des Montmorency. Le mariage de son fils aîné François avec la ravissante Marie Stuart, reine d'Écosse, sera l'occasion de fêtes fastueuses pour tenter de resserrer autour du jeune couple l'amour et le loyalisme du peuple. De toute façon, le roi aime le faste. Madame de Lafayette, bien plus tard, le rappellera dès la première phrase de son livre « La princesse de Clèves ». La magnificence et la galanterie n'ont jamais paru en France avec tant d'éclat que dans les dernières années du règne d'Henri II. Le marié a 14 ans, son épouse deux de plus. C'est le duc de Guise qui a été chargé d'organiser la cérémonie. Le mariage doit avoir lieu à Notre-Dame. Devant le portail, Guise a fait construire une tribune de 12 pieds de haut reliée à l'évêché par une galerie magnifique ornée de rameaux de vigne. Cette tribune est destinée à recevoir les mariés et la famille royale afin que la foule massée sur le parvis et dans les rues avoisinantes ne perde rien du spectacle. Ce dimanche 24 avril est une journée splendide. Les Suisses de la garde royale prennent place en livrée avec leur hallebarde. Puis viennent les musiciens qui jouent tandis que le cortège royal arrive à 10 heures. D'abord les gentilshommes du roi, puis les princes et le clergé qui comprend des évêques, des archevêques, 6 cardinaux et le légat du pape. Enfin, voici les fiancés conduits par le roi et le duc de Lorraine. Marie est vêtue d'un habillement blanc comme le lys, son corsage étincelle de colliers de grand prix. Elle porte sur la tête une couronne d'or garnie de perles, de diamants, de rubis et de saphirs d'une valeur inestimable. Parvenu sur l'estrade, le couple est accueilli par le cardinal de Bourbon qui les marie, selon les formes sacramentelles. Puis, le cortège entre dans la cathédrale pour entendre la messe. À la sortie de la cathédrale, un banquet attend les princes à l'évêché suivi d'un bal. Ensuite, un banquet de nuit est offert par le Parlement de Paris. Un spectacle est donné dans la galerie du Parlement. Puis, tout le monde regagne le Louvre vers 3 heures du matin. Les festivités vont encore durer plusieurs jours. Mais comment les jeunes mariés se sont-ils rencontrés ? Marie Stuart est née le 8 décembre 1542 en Écosse, au château de Linlithgow, dans une période dramatique où le pays est sur le point de perdre son indépendance. Son père, Jacques V Stuart, vient d'être battu par les Anglais à Solway Moss. Malgré son courage, il est terriblement déprimé. Après avoir erré de château en château, il passe par Linlithgow où il est né en 1512 et où sa femme, Marie de Guise, est sur le point d'accoucher. Mais il n'y reste pas et repart immédiatement pour Falkland. Malade et pris de fièvre, c'est là qu'il apprend la naissance de sa fille Marie. Il est accablé que ce ne soit pas un garçon et meurt 3 jours plus tard. À l'âge de 8 jours, la petite Marie est donc la nouvelle reine d'Écosse. L'Angleterre et l'Écosse ont des rapports compliqués. La première essaie toujours d'absorber la seconde et la seconde trouve toujours les forces nécessaires pour s'y opposer. Pour survivre dans ce risque d'agression permanente, l'Écosse s'est depuis longtemps tournée vers la France avec la fameuse Old Alliance, la vieille alliance qui existe depuis la guerre de Cent Ans, durant laquelle des contingents écossais ont combattu avec les Français contre les Anglais. L'intérêt de cette alliance pour la France est grand.
Un biographe de Marie Stuart, Michel Duchin, l'explique. Du point de vue français, l'Alliance présentait l'intérêt d'assurer, en cas de conflit avec l'Angleterre, la possibilité d'ouvrir un second front au nord. L'Écosse était la porte arrière de l'Angleterre. Du point de vue écossais, l'avantage est encore plus évident. Aide économique et surtout aide militaire pour défendre un pays essentiellement faible et menacé. Pour affermir les alliances et apaiser les conflits, il y avait déjà eu des mariages franco-écossais comme celui de Louis XI avec la fille de Jacques Ier Stuart, mais il y avait eu aussi des mariages anglo-écossais. Ainsi, le père de Jacques V avait épousé la sœur d'Henri VIII, Marguerite Tudor. Jacques V était donc le neveu du roi d'Angleterre. Pour compenser ce sang anglais, il avait décidé d'épouser une princesse française, d'abord la propre fille de François Ier, Madeleine, malheureusement décédée 6 mois après le mariage. Son choix s'était alors porté sur Marie de Guise, duchesse de Longueville, veuve depuis 1 an et mère d'un petit garçon. Elle est belle, vertueuse, énergique. Le mariage a lieu en 1538. Le couple est heureux bien que Marie ait été obligée de laisser en France le fils de sa première union. Elle donne 2 garçons à Jacques V, mais les 2 meurent en bas âge. Le couple est accablé. C'est alors qu'Henri VIII déclare la guerre à l'Écosse. Les Anglais sont vainqueurs à Solway Moss et Jacques V décède peu après. C'est le cardinal Beaton qui avait célébré le mariage des souverains qui devient régent d'Écosse. Mais il a du mal à s'imposer à la turbulente noblesse locale. De son côté, Henri VIII ne pousse pas son avantage après sa victoire. Enfin, il a eu un fils, Édouard, en 1537. Il suffit d'attendre quelques années et de lui faire épouser la jeune Marie d'Écosse. Ce serait la réunion des 2 couronnes sans affrontement ni bataille. C'est à ce moment que le comte d'Arran, de la puissante famille Hamilton, fait arrêter le régent et prend le pouvoir. Henri VIII exige alors les fiançailles immédiates de son fils avec la petite Marie et que celle-ci soit conduite en Angleterre pour être élevée à la cour. Le Parlement écossais accepte les fiançailles, mais refuse le départ de la princesse. Inquiète, Marie de Guise emmène sa fille au château de Stirling, une forteresse imprenable dans les contreforts des Highlands. C'est dans l'église de Stirling que la petite Marie, âgée de 9 mois, est couronnée reine d'Écosse le 9 septembre 1543. On lui présente la couronne, l'épée et le sceptre. Ce sont ce qu'on appelle les honneurs de l'Écosse, qui aujourd'hui encore sont conservés au château d'Édimbourg. Henri VIII est furieux. En 1545, il envoie sa flotte piller le port d'Édimbourg et l'armée anglaise se livre à des représailles en incendiant des châteaux et des villages. Affolé, le comte d'Arran appelle les Français au secours. C'est le bon moment, car Henri VIII et François Ier vont mourir presque simultanément, le 28 janvier 1547 pour l'un et le 31 mars suivant pour l'autre. Le nouveau roi d'Angleterre, Édouard VI, toujours fiancé à Marie Stuart, n'a que 10 ans. C'est le duc de Somerset qui assure la régence. En France, le fils aîné de François Ier, Henri II, monte sur le trône des Valois. Immédiatement, il répond à l'appel au secours de l'Écosse en envoyant vers Édimbourg une petite flotte commandée par Léon Strozzi, un cousin de son épouse, Catherine de Médicis. Les troupes françaises s'emparent du château de St. Andrews. Furieux de cette intervention, le duc de Somerset envoie 15 000 hommes en Écosse pour récupérer Marie. Marie de Guise craint pour sa fille. Elle quitte Stirling et s'installe dans un prieuré sur une île au milieu d'un lac au pied des Highlands. Les Écossais sont battus par les Anglais à Pinkie Cleugh. Cette fois, il n'est plus question que Marie épouse le roi d'Angleterre. Il lui faut un nouveau fiancé, il sera vite trouvé. Ce sera le fils aîné d'Henri II et Catherine de Médicis, le dauphin François. Il a alors 4 ans, Marie en a 6. Le Parlement d'Écosse vote l'annulation des fiançailles de Marie avec Édouard VI et organise le projet d'union avec le dauphin. Marie sera élevée à la cour de France auprès de son futur époux. La France s'engage à continuer à aider l'Écosse et elle le prouve en envoyant une nouvelle flotte beaucoup plus importante que la première, toujours commandée par Strozzi. Elle entre dans le port d'Édimbourg le 16 juin 1548.
6000 hommes débarquent. Les bateaux repartent vers la France tandis qu'un petit groupe de galères fait voile vers le nord, contourne l'Écosse par l'archipel des Orcades avant d'arriver en mer d'Irlande, puis remonte l'estuaire de la Clyde à l'ouest de l'Écosse. Les galères atteignent le château de Dumbarton, perché sur une roche volcanique, l'une des plus anciennes places fortes écossaises. C'est là que Marie de Guise attend les Français avec sa fille. Le 7 août 1548, la reine enfant embarque avec son gouverneur, Lord Erskine, son demi-frère Lord Jack Stuart, fils naturel de Jacques V, sa gouvernante la belle Lady Fleming et quatre petites écossaises du même âge qu'elle, toutes prénommées Marie. On les appellera les Maries de Marie. La mer est déchaînée, mais la suite débarque finalement à Roscoff le 15 août. Après une première nuit à Morlaix, le cortège remonte la Loire en bateau jusqu'à Orléans où les attend la grand-mère de Marie, la duchesse de Guise, née Antoinette de Bourbon. Celle-ci est immédiatement séduite par sa petite-fille et ce sera réciproque. Marie aura toujours plaisir à séjourner chez elle à Meudon. Le 16 octobre 1548, elle est reçue officiellement au château de Carrières-sur-Seine par sa future belle-mère, Catherine de Médicis, accompagnée du dauphin, le fiancé, âgé de presque 5 ans. Henri II n'est pas là, il guerroie en Italie. Le futur beau-père de Marie, Henri II, a 29 ans. Ce personnage mélancolique est le deuxième fils de François Ier. Avec son frère aîné, il a subi dans son enfance un traumatisme définitif. Après la défaite de Pavie en 1525, Charles Quint avait emprisonné François Ier. Le roi captif avait dû signer l'infâme traité de Madrid par lequel il était libéré à condition de livrer comme otage ses deux fils à l'Espagne. Le dauphin François et son frère Henri, âgés de 8 et 7 ans, allaient être emprisonnés à Madrid à la place de leur père pendant 4 ans avant de regagner la France. Sinistre expérience, pauvres enfants. Devenu adolescent, Henri était surnommé le Beau Ténébreux. Grand, bien fait et athlétique, il était choqué par les liaisons de son père, particulièrement avec la duchesse d'Étampes. Sa seule amie à la cour était la grande sénéchale, la très belle Diane de Poitiers. Elle avait 20 ans de plus que lui et l'avait accompagné avec son frère lors de leur fatal transfert à Madrid jusqu'à la frontière espagnole. Émue par le désespoir du petit garçon, elle l'avait embrassé. Henri n'avait jamais oublié ce baiser. François Ier va marier son fils cadet avant l'aîné. C'est un mariage très politique. Il lui choisit pour épouse Catherine de Médicis. Elle n'est pas de sang royal, mais ce n'est pas grave puisque Henri n'est pas destiné à régner. En revanche, elle a l'avantage d'être la nièce du pape Clément VII, ce qui n'est pas négligeable pour la politique italienne du roi. Le mariage a lieu à Marseille le 11 octobre 1533. Les deux époux ont le même âge, 14 ans. Catherine n'est pas vraiment jolie, mais intelligente et pleine de charme. Elle fait la conquête de son beau-père en se révélant une cavalière et une chasseresse exceptionnelles. Elle partage aussi avec lui le goût des fêtes et des bals. Elle tombe follement amoureuse de son beau mari, qui n'est guère empressé à son égard. Catherine va vite s'apercevoir de la place que tient Diane de Poitiers dans la vie d'Henri. Le 10 août 1536, le dauphin François, après s'être beaucoup échauffé au jeu de paume, absorbe un grand verre d'eau glacée. Il succombe à une congestion. Le destin d'Henri et Catherine a basculé. Ils sont devenus les futurs rois et reines de France. Catherine est enchantée de cette promotion, mais terriblement angoissée de n'avoir pas encore pu donner un héritier à son époux. C'est la très intelligente Diane de Poitiers, la maîtresse du roi, qui va aider le couple de ses conseils. Enfin, après 10 ans de mariage, le 19 janvier 1544, Catherine de Médicis accouche d'un petit garçon prénommé François, le futur fiancé de Marie Stuart. Son mariage est sauvé. En 12 ans, le couple aura 10 enfants, dont 7 survivront. Si Diane de Poitiers s'est montrée si coopérative, c'est qu'elle avait intérêt à ce que Catherine reste l'épouse d'Henri. Cette dernière connaissait la liaison de son mari et l'acceptait même si elle en souffrait. Si Henri épousait une jeune et belle princesse, il risquait de se détacher d'elle, ce qu'elle ne pouvait supporter.
Lorsque Marie Stuart arrive à la cour des Valois, Henri II et Catherine n'ont encore que 3 enfants. Le dauphin François, 5 ans, Élisabeth, future reine d'Espagne, 3 ans, et Claude, future duchesse de Lorraine, 1 an. D'autres vont venir au monde. En 1550, Charles, futur Charles IX. En 1551, Henri, futur Henri III. En 1553, Marguerite, future reine Margot, épouse d'Henri IV. En 1555, François, futur duc d'Alençon et trublion de la famille. Marie Stuart est tout de suite intégrée au cercle des enfants royaux. Elle va partager leur vie jusqu'à son mariage. Ce n'est pas une existence monotone. La cour se déplace beaucoup. L'hiver au Louvre et le reste de l'année de château en château, Saint-Germain-en-Laye, Fontainebleau et bien sûr le Val-de-Loire, Blois, Amboise et le merveilleux Chambord. À chaque déplacement, la cour est précédée de l'incroyable caravane transportant mobilier, tapisserie, vaisselle, vêtements et le personnel nécessaire. Mais il n'y a pas que les châteaux royaux. Il y a ceux de Diane de Poitiers, Chenonceau et surtout Annette, où elle accueille volontiers les enfants qui sont très heureux chez elle. Connaissent-ils le lien qui unit Diane et Henri ? Rien n'est moins sûr. Diane est présente auprès d'eux et occupe aussi une place importante dans leur vie. Quant à Catherine, elle supporte cette situation sans doute avec une part de frustration, car elle est une véritable mère italienne extrêmement attachée à chacun de ses enfants. Marie découvre un univers totalement différent du sien. Une troupe d'enfants joyeux avec une vie parfaitement organisée. Aller de château en château n'est pas désagréable. Ça change des départs précipités en Écosse d'un château à l'autre pour échapper aux ennemis et de l'angoisse permanente. Et puis son petit fiancé, François, l'adore. Catherine de Médicis écrira au grand-père de Marie, le duc de Guise. Dès le premier jour, ils furent aussi apprivoisés ensemble, comme s'ils se fussent connus de tout temps. Une multitude de précepteurs s'occupent de l'éducation des petits princes sous le contrôle de Catherine et de Diane. Ils apprennent le français, le latin, l'italien, l'histoire et la géographie, mais aussi les exercices physiques et les arts d'agrément. C'est totalement conforme à l'esprit de la Renaissance. Marie se glisse avec délice dans cet apprentissage. On lit les poèmes des auteurs de la Pléiade, Marie écrit aussitôt des vers. On apprend la musique, Marie chante divinement et joue du luth. La danse est aussi très prisée à la cour et Marie danse à ravir. Par-dessus tout, elle est coquette. Le luxe de la cour l'enthousiasme. Elle se grise de broderies, de dentelles, de velours et de bijoux. Sa silhouette élancée met en valeur tout ce qu'elle porte. Mais loin des fastes de la cour des Valois, Marie de Guise, restée en Écosse, fait face à d'immenses problèmes. Le pays est ravagé par la guerre. Les troupes françaises toujours présentes sont de moins en moins appréciées. Le régent, le comte d'Arran, se fait manipuler. En 1550, la mère de Marie Stuart se rend en France, heureuse de retrouver sa fille et le fils qu'elle avait eu de son premier mariage. Les Guises sont la plus puissante famille de la cour. Pour eux, la petite Marie est un précieux atout. Mais il y a aussi des rivalités dans cette cour et le principal rival des Guises est le connétable de Montmorency, l'ami le plus proche du roi. Marie de Guise repart en Écosse avec un peu d'argent et quelques promesses. C'est alors que se situe un épisode pittoresque qui va mettre la cour en émoi. Ayant fait une chute de cheval, Diane de Poitiers est contrainte de se cloîtrer dans son château d'Annette. Pour distraire le roi, le connétable de Montmorency a l'idée saugrenue de le rapprocher de la belle Lady Fleming, gouvernante écossaise de Marie Stuart. Le souverain se rend tous les soirs dans les appartements de l'accueillante jeune femme qui sont aussi ceux de Marie Stuart. Comme toujours dans ce genre de situation, quelqu'un se charge de prévenir Diane. Celle-ci revient aussitôt au Louvre pour surprendre son royal amant au sortir du lit de Lady Fleming. Diane est furieuse, d'autant plus que la gouvernante tombe enceinte. Henri II met aussitôt fin au scandale et assure Diane de sa fidélité éternelle. L'irrésistible Lady Fleming regagne définitivement son Écosse natale après avoir accouché d'un bâtard royal, Henri d'Angoulême, en 1551. Marie de Guise l'avait précédée en Écosse. Elle obtient, en 1554, que le Parlement la nomme enfin régente. Elle remplace le comte d'Arran. En 1557, Marie Stuart a 15 ans,
le dauphin François en a presque 14, sa santé est délicate, mais rien ne s'oppose maintenant à leur mariage. Reste à régler la question politique qu'est l'union de la reine d'Écosse et du futur roi de France. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de Au cœur de l'histoire, consacré à François II et Marie Stuart. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques. Marie Stuart, La femme et le mythe, par Michel Duchin, édition Fayard, 1987. Henri II, par Yvan Cloulas, édition Fayard, 1985. Des couples tragiques de l'histoire, par Jean Descartes, édition Perrin, 2020.